السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الفيديو إن شاء الله. ديروا لا كوريكسيون دي كونكور مات NSCK 2021 ديال المدرسة الوطنية العليا للكيمياء. دن نقل كوشي سور لا غري دي ريبونس لا بون ريبونس بارمي لي بروبوزيسيون A B C، يعني كاينة غير اون سول ريبونس. Donc, question 36, nad nasoir un vn 18 défini par u0 égale à 1, un plus 1 égale un sur un plus 2, vn égale un sur un plus 1. Donc, a, que ce soit n supérieur égale à 0, vn plus 1 égale 1 plus vn, b, que ce soit n supérieur égale à 0, vn égale 1 sur 2 sur puissance n, C, que soit n supérieur égale 0, Vn égale 1 sur 2 puissance n moins 1. D, Vn plus 1 égale 1 sur 2 Vn. Donc, vous devez adhérer. Donc, Vn plus 1 égale, Vn est un sur un plus 1, donc Vn plus 1 égale un plus 1 sur un plus 1 plus 1 égale donc un plus 1 il y a un sur un plus 2 donc un plus 1 un sur un plus 2 donc le tout plus 1 donc là on a un plus deux fois un il y a deux sur un plus 2 donc on simplifie un plus 2 par un plus 2 donc il nous reste un sur un plus un c'est 2 un plus 2 donc il y a un sur donc si on factorise par 2 2 facteur un plus 1 égale 1 sur 2 fois un sur un plus 1 il y a 1 sur 2 vn donc vn plus 1 égale 1 sur 2 vn donc il y a 1 plus vn donc كيفاش نقدروا نبينوا بالضبط انهم ما كيتساووش درنا vn plus 1 moins درنا la soustraction 1 plus vn خدنا احنا شخرجت لينا vn plus 1 c'est 1 sur 2 vn sur 2 vn moins 1 moins vn qui est égal هادي خصها تخرج لنا 0 باش يكونوا متساويين نخرج 0 donc ne sont pas égales donc 1 sur 2 vn moins vn c'est moins 1 sur 2 vn moins 1 donc moins 1 sur 2 vn moins 1 est différent à 0 donc vn plus 1 je compte différent à 1 plus vn donc la réponse A est fausse donc pour B que ce soit 1 supérieur ou égal à 0 vn égale 1 sur 2 puissance n donc شعدنا اول حاجه لقينا ان vn plus 1 égal 1 sur 2 vn et ça veut dire quoi ça veut dire que la switch vn c'est une switch géométrique c'est liée هندسيه c'est ça واحد على جوج donc vn géométrique deux raisons SSDR ou un demi. Alors, si Vn est une suite géométrique d'horizon un demi, alors Vn égale 1 sur 2 puissance n fois V0. Donc, V0 au chenille. U0 sur U0 plus 1 donc U0 il y a 1
0 plus 1, il y a 2. Donc, je prends 1 sur 2 puissance n fois 1 sur 2. Donc, il y a 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc, là, j'ai 1 sur 2 puissance n. Donc, puissance n plus 1. Donc, la réponse B aussi fausse. Pour C, aussi fausse. Vn égale 1 sur 2 puissance n moins 1, n plus 1. Donc la bonne réponse, il y a Vn plus 1 égale 1 sur 2 Vn. Donc, la kaina me départ. Donc, on dit, je vais donner 1 sur 2 puissance n plus 1, le radin khmou ben b. Donc, question 36. Limite quand n tend vers plus l'infini du un. Mutsewahed ou la 0, moins 1 ou la plus l'infini. Donc, je vous dois aider à dire le carreau la formule de Vn. La hadmae, Vn égale u1 sur u1 plus 1. Donc, il y a le radna de Vn égale u1 sur u1 plus 1. Donc, premièrement, on doit trouver un. Donc, Vn multiplié par un plus 1 égale un. Donc, Vn fois un plus Vn fois 1 lié Vn égale un. Donc, 12 un et non Vn par la chose. Donc, Vn fois un moins un égale moins Vn. Donc, un facteur. Vn moins 1 égale moins Vn. Donc, un est égal moins Vn sur Vn moins 1. C'est égal. Donc, la question précédente, Taina, Vn égale 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc, moins 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 1 sur 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, là, on a un demi compris entre moins 1 et 1, alors quand n tend vers plus l'infini, donc là, je suis là, je dis 0, je dis 0. Quand on a 0 sur moins 1, il y a 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on passe à la question 38. Dans l'ensemble C, si Z égale 3 sur 2 moins E racine 3 sur 2, alors le module de Z moins 1 égale 1, l'argument de Z moins 1 égale 5P sur 3 modulo 2P. Module de Z moins 1 égale 1, l'argument de Z moins 1 égale 11 sur 6P modulo 2P. Module de Z moins 1 égale racine 3, l'argument de Z égale 5P sur 3 modulo 2P. Module de Z moins 1 égale racine 3, l'argument de Z égale 11 sur 6 P modulo 2P. Donc on a Z égale 3 sur 2 moins I racine 3 sur 2. Donc tout d'abord, on doit calculer le module de Z moins 1. Donc 3 sur 2 moins I racine 3 sur 2 moins 1. Donc 3 sur 2 moins 1 égale 3 sur 2 moins 2 sur 2. Lire 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2. Donc lire racine de 1 demi au carré plus racine 3 demi au carré. Qui est égal racine de 1 sur 4 plus 3 sur 4. Il y a racine 4 sur 4 lié 1, lié 1. C'est dit, on a 1. Donc là, on a 9, les questions C et D. On a racine 3, racine 3. Donc, on peut dire que les questions C et D sont fausses. Ce qu'on a, c'est A ou B. Maintenant, je vous
vrai ou là fausse. Donc, eh bien, je fais l'argument de z moins 1. Donc, on a trouvé que z moins 1 égale 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2. Donc, le module, c'est 1. Donc, on a un demi, c'est cosinus de p sur 3 moins i sinus de p sur 3. Donc, on a plus le cosinus ou moins le sinus, n'a le même angle, il y a p sur 3. Donc, je vais dérouler un jugement plus. Donc, on a plus le cos moins le sinus. Donc, je joue les angles à dire 2 moins. Donc, cos p sur 3, là, il y a cos moins p sur 3. Moins i sinus p sur 3, là, il y a plus i sinus moins p sur 3. Quel est l'argument? Ouais, moins p sur 3. Alors, l'argument du z moins 1 est égal à moins p sur 3 modulo 2p. Idem, qui veut un cadre en arfouche moins p sur 3 égale à 5p sur 3 modulo 2p. Ou là, égale à 11p sur 6 modulo 2p. On doit faire la soustraction. Je vais attendre 2kp. Donc, si nous la soustraction, je fous, je rajoute 2kp. Vous avez le nombre pair multiplié par p. Par exemple, si on fait la soustraction de 5p sur 3, moins p sur 3, donc il y a la question à la hadashayoka, je voulais adnayer 5p sur 3, plus p sur 3. Il y a 6p sur 3, il y a 2p. Donc, on a un nombre pair multiplié par p. Donc, A est vrai. Donc, on a 2kp. La réponse A est la bonne réponse. Donc, je vous B, mais fausse, je vois. B, il a la soustraction de 11p sur 6 moins, a dit que le cas n'a lié moins p sur 3. Donc, 11p sur 6 plus p sur 3, il y a 11p sur 6 plus 2p sur 6. Il y a 11 plus 2, 13 sur 6p. Donc, il y a un nombre pair multiplié par p. Maintenant, une fraction multipliée par, donc, différent à 2kp. Quelle est la chata? Donc, ça donne 2 kp. Donc, la question 39, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x puissance x est égal à 1 ou le e ou le 1 sur e ou la moins 1 sur e. Qu'est-ce que c'est le sujet? على كل شيء كيعرف هذا السؤال هذا دونك هذا كيتحول ل اكسبونونسيال دونك هي اكسبونونسيال ln دو 1 بلس 1 سو اكس بويسونس اكس دونك اكس كتحول هذا ln بلس 1 سو اكس ايغال ليميت بلس لانفيني. Donc, on a qu'un alpha quand t tend vers 0, ln de 1 plus t sur t, elle tend vers 1. Donc, on a une plus l'infini, 1 sur x plus l'infini, j'atteins à 0. Donc, j'ai dit ln de 1 plus 1 sur x, je vais dire 1 sur x, le tchat. باش تولي عندنا بحال هاد لا فورمولا هادي خصنا نضربو خصنا نضربو تحت 1 سو اكس فوق تاهو فوا 1 سو اكس
Donc, on va simplifier x par x. Donc, il nous reste limite plus l'infini. Ln 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Donc, là, quand x tend vers plus l'infini, ainsi x tend vers 0, on a de la formule à dire, on a 1. Donc, exponentielle de 1 qui est égale exponentielle. Donc, la bonne réponse, c'est B. Donc, la question 40, la linéarisation de l'expression sinus x multiplié par cosinus 2x est donnée par 1 sur 2 cosinus 3x plus sinus x, 1 sur 2 sinus 3x moins cosinus 2x, 1 sur 2 sinus 3x moins sinus 2x, 1 sur 2 cosinus 3x plus sinus 2x. Donc, pour trouver la linéarisation, il faut transformer sinus x et cosinus 2x en écriture exponentielle. Donc, je vais vous dire. On a sinus de t, l'écriture exponentielle, égale exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. Cosinus t égale exponentielle it plus exponentielle moins it sur 2. Donc, sinus de x, il y a 9 la formule d'n, est égal exponentielle ix moins moins ix sur 2i. Et cosinus 2x, il y a 9 la formule d'n, exponentielle i 2x plus exponentielle moins i 2x sur 2. Maintenant, on va faire la multiplication sinus de x fois cosinus 2x qui est égal exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i multiplié par exponentielle 2x plus exponentielle moins i 2x sur 2. Donc maintenant, on va faire le développement. Donc, exponentielle ix multiplié par exponentielle i 2x égale exponentielle i 3x plus exponentielle ix multiplié par exponentielle moins i 2x égale exponentielle moins ix moins de même chose exponentielle moins ix moins exponentielle moins ix fois exponentielle i 2x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix plus exponentielle moins i 2x. Donc la multiplication égale moins exponentielle moins i 3x. Donc sur 2i fois 2 égale 4i. Donc, maintenant, j'ai voulu faire 3x, j'ai voulu faire x, on dira, donc, exponentielle i 3x moins exponentielle moins i 3x, j'ai voulu faire x, on va dire, donc, maintenant, plus exponentielle moins ix moins exponentielle ix, donc sur 4i. Donc on a la hernaya. On a la brina. Exponentielle i 3x moins exponentielle moins i 3x sur 4i. On a le moins. Il y a le flou. Exponentielle moins ix. Donc c'est un calbon. Tiens, nous allons moins
Donc, bon, i x moins exponentielle moins i x sur 4i. Donc, 9 jours, à 9 jours moins. Donc, ensemble, la règle du sinus. Donc, exponentielle est 3x moins, moins exponentielle moins i 3x sur 4i égale. Donc, on a le tâche sur 2i. C'est 9 quoi? 1 sur 2 fois exponentielle et 3x moins exponentielle moins i 3x sur 2i. Donc, moins. On a tiré sur 2 fois le tâche sur 2i. Donc, on va rendre factorisation 1 sur 2, factorise par 1 sur 2. Donc, exponentielle et 3x moins exponentielle moins et 3x sur 2 0, là, sinus 3x. Donc, moins exponentielle et x moins exponentielle moins et x sur 2 0, là, sinus 2x. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Question 41, on considère la suite UN définie par UN égale 1 sur 2 puissance N. On pose S égale sigma allant de K égale 5 jusqu'à 12 UK. Donc, UN égale 1 sur 2 puissance N égale 1 sur 2 puissance N. C'est-à-dire que maintenant, on va voir, c'est une suite géométrique. De raison 1 demi. Donc, il est un égal, chez la puissance n, qui est la suite géométrique. Ou il est la suite vk, égal quelque chose multiplié par k, par exemple 4k. C'est-à-dire c'est une suite arithmétique. Donc, ici, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Alors, on va calculer la somme comme la somme d'une suite géométrique. Gal sigma allant de k égale à 5 jusqu'à 12, 1 sur 2, donc puissance k. Donc, on a le premier terme, rawa. 1 sur 2 puissance k. Donc, on a 1 moins 1 sur 2 puissance. On a le nombre de termes. 12 moins 5 plus 1. 12 moins 5 plus 1. Car la suite est géométrique. Sur 1 moins 1 sur 2. Suite géométrique de raison 1 demi. Qui est égal. On a 1. Moins 1 sur 2 puissance 12 moins 5 c'est 16 plus 1 c'est 8 sur 1 moins 1 demi sur 1 2 fois 1 sur 2 puissance 5 donc qui est égal donc on a adna le maqam 1 à la jauge ou le basse adna 1 à la jauge puissance 5 cadron d'héros une simplification donc on a 5 chimères 1 demi, ce qu'on a fort 1 sur 2 puissance 4. Donc 1 moins 1 sur 2 puissance 8 multiplié par 1 sur 2 puissance 4. C'est ce qu'on a 5 ma. Donc là, on a le cas. Je vais faire parmi les formules. Donc, on a les formules développées. On va maintenant le développement. Donc, on dirait un développement. On va 1 fois 1 sur 2 puissance 4 lié à 1 sur 2 puissance 4 moins 1 sur 2 puissance 8 fois 1 sur 2 puissance 4 lié à 1 sur 2 puissance 4. 1 sur 2 puissance 8
fois 1 sur 2 puissance 4. Donc 8 plus 4, il y a 12. 1 sur 2 puissance 12. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 42, soit Z1 et Z2, deux nombres complexes tels que Z1 égale racine 2 plus i racine 2, et Z2 égale moins 3i. Donc A, Z1 sur Z2 égale 3 sur 2, exponentielle 3i plus sur 4, Z1 sur Z2 égale 3 sur 2, exponentielle i plus sur 4, Z1 fois Z2 égale 6, exponentielle moins i plus sur 4, D, Z1 fois Z2 égale 6 fois exponentielle IP sur 4. N'enchouf. D'abord, on chauffe Z1 égale à combien? Donc, 0, l'écriture trigonométrique, 0. Donc, il y a racine 2 plus et racine 2. Donc, Z1 module 0 à racine de racine 2 au carré plus racine 2 au carré. Il y a racine 2 plus 2 est carré, donc il y a 2. Donc Z1 égale 2 facteur racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2 qui est égal 2. Donc cosinus p sur 4 plus i sinus p sur 4. Donc Z2. Z2 égale à combien? Égale moins 3i. Donc, égale 3 fois moins i égale 3 fois cosinus 0 plus i sinus moins p fois cosinus moins p sur 2 plus i sinus moins p sur 2. Ok, non, je connais un autre. Moulahad. Non, les questions A et B, Z1 sur Z2. La had maïa, n'a pas atteint. Z1 sur Z2, le modèle d'hier, moins 3 sur 2, 3 sur 2. Les questions A et B. Voilà, que la had maïa, n'a pas atteint. Avec ce qu'il y a, n'a pas atteint. Z1 sur Z2. Il a pris le modèle d'hier. La had maïa, Z1. Module d'IA est 2, Z2 le module d'IA est 3. Donc 2 sur 3. Mais je ne sais pas si je suis 3 sur 2. Là. Donc A et B sont fausses. Donc d'abord, quand on a dit COD, COD a atteint 6, 6. Donc là, c'est 2 fois 3 à 6. Donc là, on a fait un mouchki. Donc Z1 fois Z2. Je regarde ce qu'on Z1 rayé 2 fois cosinus P sur 4 plus I sinus P sur 4, les 2 exponentielle I P sur 4 fois Z2 rayé 3 fois exponentielle moins IP sur 2. Les knacken 2 fois 3 est 6 exponentielle I donc P sur 4 moins P sur 2 lié 6 exponentielle i plus sur 4 moins plus sur 2 et plus sur 4 moins 2 plus sur 4 lié exponentielle i moins p sur 4. Donc la bonne réponse c'est la réponse C.